avec ta vie. Oui, je t'ai j'ai bien dit. Ouais, c'est un peu carbone. Est-ce que ouais, en général, tout le monde l'écorche un peu. Ouais. Comment on t'appelle alors dans le milieu? Vintage Stein. Voilà. Mais en français, on dit Winterstein normalement. C'est d'origine alsacienne. Ah, d'origine alsacienne. Et toi, tu es d'où? Moi, je suis de l'Allier, mais je suis né à Orléans, moi. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Alsace. Bon, comment ça se passe cette journée aujourd'hui? Ah, impeccable, c'est super. On passe un bon moment. Ouais. Surtout, et on mange bien en plus. Avec Pétan Plus, c'est toujours une bonne organisation. C'est vraiment bien prévu. Oui, c'est vrai. Comment ça se passe au niveau du jeu? Non, tu es bien dedans, là? Ouais, non, mais ça va, là. Là, on vient de gagner une partie à l'arrache. On est 1-5, on revient à 4-5, et puis après, à la sortie, on gagne 6-5. Je pose la même question, quand vous êtes des bons joueurs comme toi, c'est compliqué avec des amateurs pour s'adapter? Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile parce qu'il y a des moments où on devrait tirer, et puis on change de tactique, on va pointer. On essaie d'assurer une boule. Tactiquement, c'est différent. Voilà, c'est différent. C'est pas le même jeu du tout. L'objectif pour cette année? Pour toi? L'objectif, c'est d'y aller au moins au championnat de France et puis c'est de faire un bon résultat au championnat de France. Ouais. Tu te sens comment en tant que tes capacités de joueur de boule? Mieux que les années précédentes? Tu es au sommet? Pas forcément mieux, non. J'ai eu des années mieux, mais bon, non, mais je reviens bien parce que j'ai eu un souci de famille. Je vais peut-être pas en parler ici, mais c'est un truc très grave avec ma femme et tout. Ouais. J'ai arrêté le calcul. Problème de famille grave. Voilà, ouais. Et donc, j'ai mis un petit. Ma femme. Oh. C'est pas mal. Et tu as mis ça entre parenthèses. Ouais, voilà. Alors, j'ai resté au moins 3-4 ans. Je faisais des petits concours, entre guillemets, avec mes copains et tout, mais des grandes compétitions, j'avais laissé tomber. Et là, je reviens, disons, en haut niveau. J'ai retrouvé des sponsors et tout, et puis, je remonte leurs anneaux. Et ça te permet d'oublier les mauvais. Voilà, exactement. Puis la pétanque me fait évader un peu. C'est Christian qui m'a sorti, surtout. Alors, c'est cool. Et lui, bon, il a passé beaucoup de temps sous le milieu-là. Il a passé par des épreuves comme ça. Voilà, et puis bon, on est reparti. Allez, go, je te souhaite plein de bonheur. Ah, c'est gentil. Plein de bonheur personnel et plein de bonheur de toi. Ah, ok, c'est bien. Allez, merci. Merci à toi.